Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un slime avec des produits de chez Carrefour. Il n'y aura que des produits de chez Carrefour, donc j'espère que ça va aller. Je n'ai jamais testé la solution pour lentilles de chez Carrefour. Donc c'est parti, et dites-moi aussi en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo et quel produit de quel magasin vous souhaitez que je teste. Donc pour ce faire, j'ai acheté de la colle liquide, c'est de la colle universelle, voilà, de chez Carrefour, marque Carrefour. Je vais verser tout le contenu de ma colle dans mon récipient. Ensuite, pour colorer mon slime, j'ai acheté des cartouches bleues. Voilà, j'en ai trouvé que des bleus, donc c'est pas grave. On aura un beau slime bleu. Donc là, je pense que j'en ai mis assez. Je peux commencer par mélanger déjà ces deux choses-là. Wow, la couleur va être plutôt pas mal. Après, je ne sais pas si ça va rester aussi joli une fois que j'aurai mis du bicarbonate de soude. Donc pour la solution pour lentilles, c'est celle-ci. Donc je vais vous la montrer quand même de plus près. Voilà. Et le bicarbonate de soude, c'est celui-ci. Donc ça, vous en trouvez dans toutes les grandes surfaces. Je sais que j'ai vu exactement le même chez Leclerc. Donc là, en fait, je vais mettre un tout petit peu de bicarbonate de soude et de la solution pour lentilles. Donc du bicarbonate de soude, il n'en faut vraiment pas beaucoup. D'accord, super. Et ensuite je mélange. Donc bien sûr, s'il faut rajouter un petit peu des deux, j'en rajouterai un petit peu. Donc là, il en faut un petit peu. Je ne sais pas si la solution pour lentilles va suffire. Elle a l'air de fonctionner. Oui, ça a l'air de former notre slime, donc je suis assez contente. Donc j'avais déjà fait ce genre de vidéo en prenant que des produits de chez Action et vous aviez adoré, vous m'aviez beaucoup demandé de faire les produits de chez Carrefour. Donc là, il me paraît pas mal, peut-être encore un petit peu collant. Je vais le travailler un petit peu. La couleur est super belle. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve trop trop beau. Donc je pense que la solution pour lentilles ne fonctionne pas sans bicarbonate de soude. Sauf peut-être quand on fait un fluffy slime, donc la mousse à raser aide beaucoup. Et je pense que voilà, ça peut remplacer le bicarbonate, la mousse à raser. Donc voilà, c'est un crash test validé. J'ai réussi à faire du slime qu'avec des produits de chez Carrefour. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!